É Tudo Verdade 2021, 26º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país, de 8 a 18 de abril. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura dessa que é a 18ª Conferência Internacional do Documentário, uma co-realização, mais uma vez, do É Tudo Verdade e do Itaú Cultural. Eu quero começar agradecendo ao Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, que no ano passado nos convidou para retomar a conferência que tinha sido interrompida durante 2 anos. Muito obrigado, Saron, então, por esse resgate e pelo apoio também do Itaú Cultural e o patrocínio do Itaú ao É Tudo Verdade, nessa que é a sua 26ª edição. Eu agradeço também ao Claudinei Ferreira, a Kate Fernandes, a equipe do Itaú Cultural, pelo apoio fundamental para a gente estar realizando no site do Itaú Cultural essa conferência. Quero agradecer a equipe do É Tudo Verdade também, empenhada em realizar a melhor conferência digital possível, a Mônica Guimarães, produtora executiva, Daniela Wasserstein, nossa produtora, Tatiana Natsu, produtora dessa conferência, João Paulo Melo Cruz, que é o nosso coordenador técnico. Nós, neste ano, decidimos voltar a uma tradição dos primeiros anos da conferência, que é fazer uma conferência monotemática. Isso se deve muito pelo fato disso se impor quando a gente fala de Chris Marker. O centenário do Chris Marker está sendo celebrado nesse ano. O Marker foi um dos mais originais realizadores de cinema de todos os tempos. Ele dedicou a maior parte da obra dele a documentário, mas também trabalhou com ficção. E foi um dos fundadores, por exemplo, um dos fundadores do cinema ensaio, um dos fundadores do documentário epistolar, um dos pioneiros do cinema direto, um dos pioneiros da nova onda de cinema militante feito em grupos anônimos no final dos anos 60 e início dos anos 70. E, no final da carreira dele, foi trabalhar com novas mídias, foi trabalhar com criações para CD-ROM, internet, games. Foi um verdadeiro, um dos poucos revolucionários verdadeiros a trabalhar em cinema. E é fundamental, nesse ano, o É Tudo Verdade prestar uma homenagem a essa obra. Isso está acontecendo de duas maneiras. A primeira é através dessa conferência e a segunda através de uma amostra com 5 filmes que, a partir de amanhã, vocês vão poder assistir com alguns dos clássicos do Marker e alguns filmes que iluminam a trajetória dele, né? A ideia de dedicar a conferência ao Marker, que foi um criador absolutamente cosmopolita, nos obrigava a tentar fazer uma conferência que fosse, que de certa maneira tivesse também essa marca. Por isso, nós temos uma mesa com 4 convidados, sendo 2 brasileiros e 2 internacionais, 1 palestrante francês, 1 palestrante americano. Para abrir essa conferência, a gente tem o privilégio de ter o Jean-Michel Proudhon falando sobre o Marker e a palavra escrita. Eu vou falar um pouco disso mais tarde. Hoje à tarde, às 15 horas, nós vamos ter o privilégio de ter a mesa Tendler, Marker por Tendler. O Silvio Tendler, dando uma entrevista na Globovski, sobre o período no começo dos anos 70, em que ele, exilado em Paris, se tornou amigo e colaborador do Chris Marker em vários projetos. Amanhã, às 11 horas, a gente tem o privilégio de ter uma mesa da Carolina Amaral sobre a relação entre o Marker e a América Latina, que foi muito intensa em um certo período, tanto política quanto estética. E encerramos amanhã a conferência com o retorno, a conferência, um pouco a volta a casa, do Bill Nichols, que é um dos maiores pensadores, um dos principais estruturadores dos estudos ligados ao documentário, que vai falar sobre o Marker
num momento específico. Ele vai falar sobre o Marquer, em 1962, no momento em que ele faz dois filmes, faróis, e que são muito distintos. Ele faz um curta-metragem, que é uma espécie de cine-foto-thriller, que é o La Jetée, e faz o Le Jolimé, com o Pierre Dome, Le Jolimé, o Maio Feliz, que nós exibimos há 5 anos na cópia restaurada, e que é um dos primeiros filmes no estilo do cinema direto a ser feito na França, ambos em 1962, como eu disse. Né? Eu quero, ao retomar esse desenho monotemático da conferência, e nessa mistura de gerações, que tendo mestres como Frodon, como Tendler, cineastas como Frodon e Nico, cineastas como Tendler, e uma jovem pesquisadora brasileira como a Carolina. Lembrar a fundadora comigo dessa conferência, que é Maria Dora Mourão, da ECA USP, e eu acho que é no espírito daquelas primeiras conferências heróicas que nós fizemos que a gente pode ver os resultados hoje, mais de 20 anos depois, continuando dando frutos. Eu quero convidar, então, como representante do Claudinei do Itaú nessa abertura, convidar o Claudinei Ferreira a abrir a conferência comigo. Claudinei, bem-vindo. Muito obrigado, Anir. Obrigado à equipe do É Tudo Verdade, equipe do Itaú Cultural, como você bem disse, né, amigo? Estamos aí há alguns anos juntos, né? Não é um apoio simplesmente, mas é uma parceria, contribuição do É Tudo Verdade e sua, a nossa programação, inclusive, de cinema, já vem de uma longa data, né? Foi com É Tudo Verdade que, inclusive, nós começamos a fazer nossas mostras de cinema no site do Itaú Cultural, e tenho o prazer de receber a conferência da maioridade, né? A 18ª Conferência Internacional do Documentário. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Você falou das primeiras conferências heróicas, Amir. Eu acho que as últimas edições do É Tudo Verdade têm sido heróicas também, importantíssimas, né? O apoio do Itaú e do Itaú Cultural ao É Tudo Verdade é um apoio que nos engrandece a nós, né? Em função do trabalho, do seu trabalho e do trabalho da sua equipe, né? Eu acho que a gente deve sempre, nos últimos anos, e sempre, né, aplaudir toda e qualquer atividade cultural e artística que se apresente no Brasil, principalmente nesse último ano e meio, né, onde duas confluências negativas para o trabalho artístico estão aí, né, um contexto que não é nada favorável ao trabalho artístico e cultural, né, e uma pandemia que nos coloca nesse estado de presença, né? Nessa virtualidade. É claro que se tivesse tudo no antigo normal, ou no normal de sempre, estaríamos juntos na sala Itaú Cultural. Por isso, nós também agradecemos, Amir, o seu trabalho, o trabalho da sua equipe e de todos os artistas que estão envolvidos nessa edição, né? Boa conferência, né? Eu estou aqui em nome do Saron só para falar, porque ele teve um imprevisto, infelizmente não pôde participar, senão ele estaria aqui te abraçando. Obrigado. Obrigado a você, um grande abraço ao Saron, e quero meu abraço ao Saron, minha gratidão. O que a gente vai assistir agora é a primeira, então, das 4 conferências desse ano. As conferências foram, elas estão acontecendo online, elas foram gravadas para elas poderem ser subtituladas, legendadas, como fosse o caso, e terem também tradução por linguagem de Libras. De Libras, de Libras. Estamos aprendendo, estamos todos aprendendo com o passar do tempo. Essa primeira mesa é muito especial e eu quero agradecer demais ao Jean-Michel Frodon por ter aceito o convite. É a primeira vez que ele participa dessa conferência. Ele é um dos mais brilhantes críticos de cinema surgidos na França depois dos anos 70, é autor de um belíssimo livro sobre a história do cinema francês pós-Segunda da Guerra, de um recente livro sobre o Abbas Kiarostami, e
Ele foi crítico do cinema do Le Monde nos anos 90, foi editor-chefe do Cahiers de Cinéma de 2003 a 2009, é professor hoje de cinema no Instituto de Ciência Política. E o que me levou a convidá-lo a fazer essa conferência foi o fato dele ter, há dois anos, realizado na Cinemateca Francesa, ao lado do Raymond Bellur, da Christine Valache, a mais importante mostra dedicada ao Chris Marker. Então, foi a mostra mais completa da produção audiovisual do Marker e também das suas instalações e produções como CD-ROM, etc. E também organizou um livro, um catálogo muito especial acompanhando essa mostra na Cinemateca. E quando eu o convidei para celebrar o centenário, ele imediatamente veio com um tema bastante importante e bastante original, que é, ele intitulou Chris Marker, autor de comentários, frisando a relação muito íntima entre a palavra escrita e a obra do Marker, desde o começo da sua produção, desde antes de ele começar a fazer cinema, a fazer filmes. É muito interessante. E ele consegue, então, nessa primeira palestra, nos dar uma visão muito rica dessa relação cinema, imagem e palavra na obra do Marquer, por toda a obra do Marquer. Então, uma excelente introdução a essa conferência. Então, eu agradeço demais ao Michel Frodon por essa primeira participação. Infelizmente, a distância digital, esperamos recebê-lo aqui pessoalmente em conferências futuras. Agradeço demais, mais uma vez, ao Itaú Cultural, a toda a equipe do Tudo Verdade, especialmente a você, sua atenção. Peço desculpas pelo pequeno atraso que a gente teve. E vamos, então, ouvir Jean-Michel Frodon na primeira conferência deste ano do É Tudo Verdade, Itaú Cultural. Obrigado. Bom dia a todos, bonjour à tous, je m'excuse, je vais vous parler en français, mon portugais n'est pas assez bon, et bien sûr je suis très triste de ne pouvoir m'adresser à vous que par les moyens électroniques et à distance, alors que j'aurais tellement aimé pouvoir être en votre compagnie pour ce magnifique festival qui est Tutto Verdade, et spécialement pour parler de Chris Marker et sûrement aussi pour échanger avec vous, ce qui ne va pas être possible aujourd'hui, mais je voudrais quand même remercier les organisateurs, particulièrement Amir, Tatiana et Daniela, qui m'ont invité et qui m'ont aidé à être avec vous virtuellement, donc pour vous parler aujourd'hui de Chris Marker sous un angle un peu particulier qui, je crois, n'a pas été tellement étudié ou commenté et que je vais essayer de partager avec vous. Pour ça, donc, je vais partager mon écran si j'arrive à faire cette opération technique difficile pour moi. Voilà, et donc j'espère que maintenant vous voyez plutôt mon écran que moi, ce qui est mieux, c'est plus intéressant. Et donc pour vous parler de Chris Marker comme auteur de commentaires. Chris Marker est, comme j'imagine les gens qui sont ici le savent, un des plus grands cinéastes de la deuxième moitié du XXe siècle et même du début du siècle suivant. Mais le cinéma n'a pas été sa première vocation, comme en témoignent les textes qu'il publie alors qu'il est encore lycéen, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, ou ses carnets personnels qu'il écrit depuis qu'il est très jeune. Il s'est toujours voulu, il s'est toujours rêvé écrivain. Et on peut dire, d'une certaine façon, il n'a jamais cessé de l'être, y compris à travers les très nombreux domaines qu'il a pratiqués, le cinéma bien sûr, mais aussi la photo, la musique et l'informatique.
écrivain, Chris Marker, l'a également été de manière plus littérale. Pendant près de 15 ans, depuis les années de guerre jusqu'à son premier film en 1952, Olympia 52, il écrit inlassablement sous divers pseudonymes. Le plus fréquent au début a été le nom de Marc Dornier, c'est le nom qu'on voit dans le poème Chant de guerre que vous devez voir sur l'écran, avant que ne s'impose progressivement le nom de Chris Marker, qu'il va ensuite adopter, même s'il continuera d'ailleurs à utiliser occasionnellement d'autres pseudonymes. Il écrit des articles, il écrit des contes, il écrit des poèmes. Il écrit un roman, Le cœur net, en 1949, et il écrit un essai sur Jean Giraudoux, sans doute l'écrivain dont il restera le plus proche, et on retrouvera Giraudoux, longuement évoqué 10 ans plus tard, au début du Joli Mai. Et puis, surtout, peut-être, de 1946 à 1952, il écrit environ 70 textes de toute nature, des critiques littéraires ou de cinéma ou de théâtre, des analyses politiques, des observations de la vie quotidienne, des nouvelles pour la revue Esprit, et il publie aussi dans d'autres revues, sans compter ses participations nombreuses à de nombreux ouvrages collectifs ou des livres qu'il dirige. Mais pour porter ici attention surtout à son activité de cinéaste, il y a beaucoup de gens déjà qui ont repéré les affinités de Marker, du travail de Marker comme cinéaste, avec la composition littéraire, d'ailleurs plus souvent la composition poétique que romanesque, et dans sa manière de faire des films, et notamment dans cette pratique dont il a été un maître unanimement salué, le montage. Dans sa préface au catalogue de l'exposition Chris Marker de la Cinémathèque française en 2018, la couverture que vous voyez, Florence Delay, l'actrice qui fut la voix inoubliable de Sans Soleil, mais qui fut et est toujours aussi et surtout écrivain, pouvait affirmer sa première invention fut d'être en tous les arts et métiers qu'il pratiqua un écrivain, et elle ajoute, il n'a jamais renoncé au livre. Cette relation à l'écriture, si importante et si diverse chez Chris Marker, se manifeste également dans la pratique d'un type de film pour lequel a été inventé par le critique et théoricien André Bazin le néologisme de film-essai, à l'occasion d'un texte précisément consacré à un film de Marker, Lettres de Sibérie, dont vous voyez un extrait, le texte de Bazin, sur l'écran. Bazin écrivait, à propos de ce film, qu'il ne ressemble absolument à rien de ce qu'on a vu jusqu'ici en fait de films à base documentaire, à rien non plus du domaine du film à sujet. Et cherchant à définir le film, Bazin proposait, cette expression, un essai documenté par le film. Le mot important ici étant celui d'essai, entendu dans le même sens qu'en littérature, effet à la fois historique et politique, encore qu'écrit par un poète. Comme on sait, cette notion, la notion de film-essai, a depuis connu une considérable fortune et on est venu à désigner un genre cinématographique à part entière dont on peut considérer que Marker serait le père et que c'est Bazin qui l'a baptisé. Mais il y a encore un domaine particulier où l'articulation de l'écriture et de la réalisation de films a trouvé avec Chris Marker un terrain d'expression exceptionnel, et c'est celui sur lequel je voudrais m'attarder aujourd'hui. Il s'agit du commentaire. De manière abusivement réductrice, mais pas entièrement fausse, Chris Marker est souvent défini comme réalisateur de films documentaires. Il faut rappeler pourtant qu'il est aussi l'auteur d'une œuvre de fiction matricielle et même une œuvre de science-fiction, La Jetée, et que des films comme L'Ambassade,
ou Level 5 sont également des films de fiction, même s'ils recourent à des éléments documentaires. Le commentaire, tel que je l'entends ici, c'est-à-dire au sens le plus général de voix off accompagnant le déroulement d'un film, est présent partout dans ses réalisations, au-delà de la distinction entre les genres de films et de la séparation qu'on fait trop souvent, à mon avis, entre documentaire et fiction. Mais il est présent selon des modalités extrêmement variables. Ces variations constituent, de fait, une interrogation sur les puissances littéraires, au sens de composition langagière, associées au cinéma. Il faut dire, pour commencer, que ces commentaires, les commentaires écrits par Chris Marker, possèdent en eux-mêmes une indéniable qualité littéraire, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être lus avec autant de plaisir que d'intérêt informatif, séparément du film auquel ils étaient destinés. Et c'est ce dont témoigne l'édition par Chris Marker lui-même de deux recueils de ses commentaires en 1961, sous l'intitulé donc de « Commentaires » pour le premier et « Commentaires 2 » pour le deuxième. Ces deux volumes sont publiés par la maison d'édition dont Marker a été un des collaborateurs importants pendant presque toute la durée des années 1950, qui s'appelle le Seuil, les éditions du Seuil. Ce sont des maisons d'édition françaises très importantes toujours aujourd'hui. Le premier volume de commentaires, celui qui est paru en 1961, comporte les textes écrits pour les films Les Statues meurent aussi, le film que Marker a co-réalisé avec Alain Resnais, Dimanche à Pékin, Lettres de Sibérie, Description d'un combat et Koubassi. Le second volume concerne les films Le mystère Kumiko et Si j'avais quatre dromadaires. Ces volumes sont très intéressant à plus d'un titre. D'abord, on peut s'y intéresser pour le choix des films qui y figurent. En effet, tout ce qu'avait réalisé Marker à l'époque ne se retrouve pas dans les volumes de commentaires. Marker a choisi de ne pas publier, par exemple, le commentaire de son tout premier film, Olympia 52, tourné à l'occasion des Jeux Olympiques de Helsinki, et où pourtant il déployait déjà toute sa virtuosité de langage et sa capacité à faire jouer ensemble, y compris de manière décalée, comique, poétique ou critique, les mots et les images. N'y figure pas non plus, dans ces volumes commentaires, le texte de la voix off de La Jetée. Le texte de la voix off de La Jetée, qui sera publié ultérieurement, mais pas à l'initiative de Marker, même si c'est avec son approbation. C'est paru notamment d'abord aux États-Unis, chez l'éditeur Zone Books, et plus tard aussi en France, et je crois encore dans d'autres pays. Quant à son autre film majeur, déjà tourné à cette époque, Le Joli Mai, il ne comporte pas, lui, vraiment de commentaires, mais plutôt des didascalies, dites par Yves Montand, entre les réponses aux entretiens sur le vif des Parisiens qui étaient interrogés dans la rue et qui sont la matière de ce film. Dans ce film, Le Joli Mai, on entend également un poème de Jean Giraudoux, La prière sur la tour Eiffel, qui est dit par Chris Marker lui-même, ce qui est une situation assez rare, car si Marker est assurément l'auteur de ses commentaires, le plus souvent il ne les dit pas lui-même, mais il les confie à des acteurs, Jean Negroni, Jean Villard, Pierre Vanek, François Perrier, Simone Signoret, Florence Delay, ou Alexandra Stewart pour la version anglaise de « Sans soleil », Jean-Claude Dauphin, André Dussolier, Marina Vladi, etc. Mais on entend de loin en loin sa voix qui accompagne un de ses films. C'est par exemple le cas dans « Le mystère Kumiko », puis de nouveau par « Petites touches » dans « À bientôt, j'espère », le film qu'il fait à propos des grèves des ouvriers à Besançon, de l'usine Rodiaceta. Et il sera une des voix, parmi de nombreuses, du fond de l'air est rouge. Métallique, crispée, la voix de Chris Marker, qui frappait toujours tellement ce qu'il entendait parler, est trop singulière pour ne pas être remarquée. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas avec elle, ce n'est pas par elle qu'il témoigne de la manière dont il a voulu être présent dans ses propres films.
Chacun des deux volumes commentaires comporte, en plus des films déjà cités, un commentaire qui ne peut être entendu avec aucun film. Dans le premier volume de commentaires, le texte est « L'Amérique rêve », et ce texte est bien le commentaire qui était destiné à un film, mais pas à un film de Marker, au film « L'Amérique insolite » de François Reichenbach. Ce commentaire a été refusé par le producteur, et sans doute, semble-t-il, par Reichenbach lui-même, parce que trop critique envers les États-Unis. Marker en fait dès lors le commentaire de ce qu'il appelle un film imaginaire, mais si on veut, on pourrait mettre ces mots en face du film qui lui existe, hein, l'Amérique insolite, et qui a été accompagné du commentaire qu'a réécrit Reichenbach pour son propre film. Le chercheur Christophe Chazalon, qui a créé un site extrêmement précieux à propos de Chris Marker, que tout le monde utilise quand on fait des recherches sur Marker, qui s'appelle chrismarker.ch, plongé en immémoire, il s'est occupé, Chazalon, de mettre en vis-à-vis, c'est ce que vous voyez sur le côté, le texte du film qu'on entend avec le film de Reichenbach, et ce que Marker avait écrit, et donc ce qui est publié sous l'intitulé « L'Amérique rêve ». C'est une comparaison très intéressante, parce que le texte de Reichenbach est plus bavard, et finalement il dit moins de choses que ce que disait de manière plus concentrée, plus pugnace, plus vivante aussi, je trouve, le texte de Chris Marker. Complètement imaginaire, cette fois-ci, est l'autre film qui figure cette fois dans le deuxième volume des commentaires, Soy Mexico. Ici, le commentaire joue pleinement la fonction littéraire d'inventer un film par la seule puissance des mots. Il s'agit véritablement de concevoir un film dont le titre fait clairement référence au Soy Cuba de Kalatozov, et dont l'inspiration visuelle renvoie plutôt à Que Viva Mexico d'Eisenstein, film qui nourrit d'ailleurs explicitement une des parties du texte. Ou plus exactement, il s'agit d'inventer un film par la puissance des mots et des images, mais pas des images filmées, des photos et des dessins, et aussi, très important, du travail sur la typographie et la mise en page. Marker a également été éditeur et maquettiste. On lui doit en particulier la création, aux éditions du Seuil, d'une collection de livres de voyage écrits par des écrivains, cette collection qui s'appelle « Petite planète ». Dans « Soy Mexico », il n'y a pas de film, il n'y a même pas eu de projet de film, mais le mode d'écriture du texte est bien celui d'un commentaire, ce type de commentaire très particulier que sont les commentaires des films de Marker. Il y déploie un ensemble de propositions qui relèvent à la fois de l'ethnographie, de l'analyse sociopolitique et de l'intuition poétique et sensuelle. Exactement comme il l'a fait à propos d'autres pays ou régions dans les précédents films de voyage qui constituent alors l'essentiel de son œuvre cinématographique. La multiplication des voix écrites, annonce les stratégies qu'il va ensuite déployer dans l'usage du commentaire. De même, la répétition de la phrase qui commence de nombreux paragraphes dans Soy Mexico, « Yo también soy Mexico », annonce le rythme des « il m'écrivait » qui scandent sans soleil. Ces « yo » successifs, ces « je » qui s'expriment à tour de rôle dans le texte Soy Mexico, aide à une composition sous une multiplicité d'angles. À chaque fois, c'est quelqu'un d'autre qui dit « je suis le Mexique » et qui parle à ce titre, au nom du Mexique. Et il met en valeur la complexité d'une approche portée à travers tout le texte par deux références majeures, l'indianité et la religiosité. Je vais vous lire la dernière page de ce commentaire d'un film qui finalement existe,
il existe imaginairement, c'est-à-dire qu'il existe, comme devraient exister tous les films, dans l'imagination ici des lecteurs, comme au cinéma des spectateurs, et qui existe en s'appuyant à son tour sur une présence invisible, l'enfant pas encore né, mais qui est donc dans une parfaite continuité avec la nature de ce texte, de ce propos de ce film pas encore né, pourrait-on dire. Yo también soy Mexico. La dernière voix que nous entendons, c'est celle qui n'existe pas encore, celle de l'enfant qui n'est pas né, ou qui naît peut-être à cette minute dans une maison de Puebla, une hutte de la forêt, une clinique de Mexico ou en plein air, sur le grand plateau des Yaquis, dans une couverture apportée à la hâte, parmi le trépignement des bêtes intéressées. Et si cet enfant est indien, mais qui n'est pas un peu indien au Mexique, c'est en lui que prendra forme le destin d'un peuple à qui la terre fut volée, la liberté volée, l'âme volée, et qui existe encore. Dans la brume presque tibétaine de leurs montagnes, les Chamoulas apprennent la démocratie, apprennent à élire leur chef. Dans les villages privés d'éducation et d'hygiène, de jeunes maîtres enthousiastes organisent l'apprentissage du XXe siècle par des jeux et des spectacles de marionnettes. Nul ne peut dire encore si la fatalité indienne sera tournée et si c'est enfin dans l'Indien que le Mexique se libérera de la corruption, de la colonisation économique, de la névrose des riches et du fatalisme des pauvres. Mais si elle l'est, ce sera par moi, qui n'existe pas encore, qui ne suis pas encore né, ou qui naît peut-être en cette minute pendant que vous regardez la fin de ce film dans cette salle. Yo también soy Mexico. Moi aussi je suis le Mexique. Yo solo soy Mexico. Moi seul je suis le Mexique. Il me semble qu'on entend admirablement ici le travail que fait faire à ce commentaire de faire d'invoquer l'existence à la fois d'un Mexique à venir, mais dont il a vu les traces réelles, et d'invoquer la possibilité d'un film qui n'existera pas et qui, en fait, il n'y a pas de projet de production de ce film, et donc de le faire exister autrement, dans ces dernières phrases où on entend aussi toute cette richesse à la fois poétique et politique de l'écriture de Chris Marker. Cette continuité, donc, entre le travail du cinéma et celui de l'édition se retrouve évidemment aussi dans les véritables commentaires qui constituent le reste et donc la majeure partie des deux volumes de commentaires et qui concernent donc sept films alors réalisés, les sept films qu'il a choisi d'y faire figurer. On y retrouve la même inventivité d'écriture, imprimé, cette écriture n'imite pas le montage ou le travail visuel des films. Elle en invente des équivalents graphiques avec le choix des images et des types d'images, la photo, le dessin, les cartes, des fois des dessins, des reproductions de tableaux, etc. Mais avec les caractères d'imprimerie et la composition de la mise en page de ces caractères avec l'utilisation des espaces de blanc, etc. Au fond, il s'agit bien ici aussi de l'art du montage, mais réinventé pour les outils de l'imprimerie, en symbiose avec les pouvoirs à la fois d'information, d'affirmation et de suggestion que mobilisent les mots. Mais, à vrai dire, tout cela qu'il vient d'accomplir, je viens d'essayer d'écrire brièvement devant vous et qui se joue dans les deux volumes de commentaires. Marker l'avait déjà fait un peu auparavant, avant la publication du premier des deux volumes de commentaires. Il l'avait fait avec un livre qui ne renvoie à aucun film, qu'un film au sens habituel, il n'y a pas de pellicule impressionnée qui corresponde à ce livre, et c'est le livre Coréenne. Coréenne, lui, n'est pas écrit comme un commentaire, mais il fait travailler différemment ce rapport du texte à l'idée d'un film possible. Et d'ailleurs, cet ouvrage est publié dans une collection qu'a créée
Chris Marker aux éditions du Seuil et qu'il appelle court-métrage, et donc qui est bien clairement fait en affinité ou en écho avec le cinéma. En fait, dans cette collection, il n'y aura jamais d'autres livres, c'est le seul volume publié par la collection court-métrage aux éditions du Seuil. Dans Coréenne, la composition des textes et des photos dans la page relève explicitement de l'art du montage, mais sans que le texte ne commente les photos, ni que les photos n'illustrent le texte, c'est ce qu'écrit Marker lui-même pour présenter le livre. Cette formule, que le texte ne commande pas les photos, ni que les photos n'illustrent pas le texte, est comme le résumé de ce que fait Marker aussi comme réalisateur, ni illustrer, ni commenter, mais ouvrir des écarts signifiants que chaque lecteur ou chaque spectateur peut investir pour lui-même. Plus de 20 ans plus tard, il refera un exercice du même type, donc la publication d'un livre avec une composition texte et images, un petit livre, beaucoup plus mince, qui s'appelle le DPI et qui est cette fois consacré au Japon. Marker n'a évidemment jamais réalisé d'adaptation de ses livres, mais on peut dire que leur esprit a infusé dans nombre de ses réalisations. Ils sont d'autres manières de travailler et d'interroger ce que lui-même définira encore plus tard comme cette grammaire de l'image-texte qui, après tout, fut ma première perception du cinéma, formule qu'il emploiera à propos de son film Chat-Perché en 2004. Lorsqu'il publie les deux volumes de commentaires au début des années 1960, Marker y fait donc figurer les textes rédigés pour les films qu'il a réalisés, bon, une partie en tout cas de ses films. Mais à ce moment-là, il a aussi écrit, sans toujours les signer, le commentaire de films réalisés par d'autres, pour la plupart des films courts. En effet, durant les années 1950, les circonstances lui ouvrent des possibilités presque infinies du fait de la situation du court-métrage en France à cette époque, qui bénéficie d'aides spécifiques du Centre national du cinéma et d'une exposition régulière, et d'ailleurs obligatoire, avant les longs-métrages lors des séances commerciales, ce qui permet à de nombreux jeunes réalisateurs d'alors de se livrer à des expérimentations souvent fécondes. Alain Resnais, Agnès Varda, Jacques Demy, Jacques Rosier, Jean-Daniel Paulet, pour ne citer qu'eux, vont en profiter. C'est ainsi qu'on va retrouver au générique de certains de ces courts-métrages le nom de Marker à divers postes, dont la rédaction de commentaires. Ses contributions sont d'ailleurs inégales. L'une est particulièrement mémorable, c'est le cas du magnifique Les Hommes de la Baleine de Mario Ruspoli, alors que par exemple ce qu'il a écrit pour Django Reinhardt de Paul Pavio est moins intéressant. Mais c'est surtout au cours de l'année 1958 qu'on va le voir mettre à profit de manière incroyablement prolifique et diverse les opportunités qu'offre alors le statut dont bénéficie le court-métrage. C'est vrai pour son propre film Lettre de Sibérie, dont il écrit le commentaire, qui n'est pas un court-métrage, mais aussi pour 4 autres films pour lesquels il écrit la même année, Le Monde à Soif de Raymond Vogel, Vivarium de Gérard Calderon, Les Hommes dans le Ciel de Jean-Jacques Langepin et André Suire, et La Mer et les Jours de Raymond Vogel et Alain Kamenker, auquel s'ajoute encore la même année le texte qu'il rédige pour Broadway by Light de William Klein, dont Marker venait de publier le premier grand livre de photos New York aux éditions du Seuil. Ces films, très différents entre eux par les thèmes et par le style, participent de la luxuriante floraison de courts-métrages qui marque cette période. Parmi eux figure donc une curiosité, un court-métrage de commande intitulé « Le siècle à soif » et pour lequel Marker écrit un poème en alexandrin humoristique. Il s'agit en fait d'une réponse à un autre court-métrage de commande tourné juste avant par son ami Alain Resnais, Le Chant du Styrène, pour lequel Raymond Queneau avait déjà composé un commentaire en alexandrin farfelu à la gloire des matières plastiques. Marker écrira également le texte d'une évocation poétique et politique conçue par Joris Ivens en 1963 à Valparaiso et d'un long métrage
qui eut à l'époque un grand retentissement, le volcan interdit du vulcanologue et cinéaste Haroun Taziev. Mais si Marker écrit sur des sujets très variés et dans des tonalités qui ne le sont pas moins, son sens de la formule est aussi souvent mobilisé pour venir aider, pour venir sauver des textes qui, même de qualité, jouent mal leur rôle en contrepoint des images. C'est notamment ce qu'il fera en venant à la rescousse de l'écrivain Jean Cayrol, l'auteur du texte qui accompagne ce film si important qui est Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Il y a en tout donc un grand nombre de textes, de commentaires écrits par Marker qui ne se limitent pas à ses propres films. Raymond Bellour et moi, nous avons travaillé à essayer de réunir pour les publier l'ensemble des commentaires écrits par Marker, c'est-à-dire outre donc les 7 films qui figurent dans les 2 volumes que lui-même a publiés, 29 autres commentaires, dont 10 signés, donc 10 désignés, destinés à des films réalisés par d'autres que par lui. Ce livre n'existe pas pour celui qu'on essaye de faire avec Bellour. Dans la plupart des cas, quand on lui demande d'écrire ou de collaborer à l'écriture d'un commentaire, Marker est surtout sollicité pour sa virtuosité dans le maniement des mots, son humour, son érudition, son sens poétique. Mais très tôt, lui-même est conscient des enjeux politiques, c'est-à-dire des questions de pouvoir, qu'active la pratique même du commentaire. Un moment fondateur, ou en tout cas exemplaire, est bien sûr celui du triple commentaire des mêmes images, celle désormais connue comme la séquence du Yakout qui louche dans Lettres de Sibérie. Comme vous savez sans doute, ce passage, qui est à la fois comique et théorique, rend sensible ce qu'on sait tous très bien, mais qui est d'ordinaire tenu dans l'ombre par les films, que les mots peuvent donner des sens multiples aux mêmes situations. C'est ce qu'il faisait avec ces 3 commentaires différents qui sont très marqués par l'époque, celle de la guerre froide, avec sur les mêmes plans du bus qui traverse la ville d'Irkoutsk, des gens qui travaillent à la fabrication d'un trottoir et d'un monsieur qui a les yeux qui louchent et qui passe devant la caméra, donc de ce commentaire hostile, négatif, qui vise entièrement à dire du mal de tout ce qu'on voit, ou très positif et élogieux de la construction du socialisme en Union soviétique, ou plus simplement, c'est ce qu'il dit simplement, mais ça n'est pas plus simple, le commentaire objectif, ou en tout cas neutre, quant à l'opinion qu'il exprime à propos des images qu'on voit. À cette époque, dans les années 60, la quasi-totalité des films de Chris Marker sont des films de voyage dans des pays où ont lieu des expériences qui prétendent rompre avec le capitalisme, c'est-à-dire la Chine, l'Union soviétique, Cuba et Israël, et tout ça dans un contexte de guerre froide où les commentaires de Marker ouvrent des relations critiques, humoristiques, interrogatives, parfois même farfelues, avec les images, et qui parviennent ainsi à garder une place et une liberté pour le spectateur, même si l'engagement de Chris Marker lui-même ne fait aucun doute et s'entend très bien. Ce sera aussi le cas pour un de ses commentaires les moins connus, même on peut dire presque inconnu, mais pourtant passionnant, celui qui va écrire pour un film qui est réalisé en Chine à la veille de la révolution culturelle, qui s'appelle « Demain la Chine », le réalisateur et opérateur Claude Otzenberger, et qui est aujourd'hui un document exceptionnel sur cette période de l'histoire chinoise. Le film a été distribué en salle en 1968, à un moment où les salles de cinéma étaient fermées déjà, de toute façon, et donc a été en réalité très très peu vu. On a retrouvé également, tapé à la machine par Chris Marker, le texte donc, du commentaire de ce film. En 1967,
Marker va réinterroger différemment la position du locuteur-commentateur dans son film « Si j'avais quatre dromadaires », film composé à partir des photos qu'il a prises au cours de ses voyages. Il se livre alors à un autre exercice littéraire, la composition d'un dialogue entre trois personnes, dont une femme, qui ainsi éclate la position de l'énonciation de ce qui va bientôt de ce qu'on va bientôt appeler, à la suite de Lacan, le discours maître. Comme savent ceux qui connaissent ce film, si j'avais quatre dromadaires, on entend alternativement trois personnes qui disent tous le texte écrit par Marker. Donc, c'est bien un commentaire de Chris Marker sur ses photos, à lui, des photos de Chris Marker également, mais ce qu'on entend est formulé par trois personnages qu'on ne voit jamais, mais qui ont un peu une personnalité différente et qui font vivre différemment le rapport du texte aux images. Cette stratégie critique et autocritique fait partie du retrait de Chris Marker comme auteur qui se met en place à cette période. Ce retrait se traduit par le fait qu'il coordonne sans s'en revendiquer l'auteur loin du Vietnam, ou qu'il crée le groupe Medvedkin pour transmettre les outils du cinéma aux ouvriers syndicalistes après que ceux-ci aient critiqué sa propre vision dans le film « À bientôt, j'espère », ou qu'il participe activement à de nombreuses réalisations liées à la révolution de mai 68 et à ses suites, mais sans jamais y apparaître directement, ni par son nom, ni par sa voix, ni par des textes qu'il signe. Cette même stratégie critique et autocritique, notamment en ce qui concerne les effets politiques du commentaire, sera développée de manière significative à partir de 1975 dans le grand film qui va revenir sur les engagements révolutionnaires du XXe siècle, Le Fond de l'air est rouge. Marker y distribue cette fois la parole en un encore plus grand nombre de voix, plus nombreux que les trois de « Si j'avais quatre dromadaires », avec l'objectif explicite, comme il l'écrit dans la préface du livre où est publié le texte du Fond de l'air est rouge, d'essayer, dit-il, pour une fois, ayant en mon temps passablement abusé de l'exercice du pouvoir par le commentaire dirigeant, de rendre au spectateur, par le montage, son commentaire, c'est-à-dire son pouvoir. On entend bien là, ici, de rendre au spectateur, par le montage, son commentaire, c'est-à-dire son pouvoir. On entend bien là, ici, qu'il désigne la composition de l'écriture textuelle par le même mot, montage, qui désigne d'ordinaire la composition des images en plan. L'enjeu, inséparablement politique et esthétique, est le même et l'esprit qui y préside est aussi le même. Mais cette fois, pas plus qu'avant ni après, l'un ne commande à l'autre, le texte ne commande pas à l'image, l'image ne commande pas le texte. Cette liberté, que Marker travaille désormais de manière de plus en plus explicite et attentive à donner au spectateur, implique aussi la liberté de la relation entre image et mot. Cette conscience du rôle politique du commentaire interroge la virtuosité même de la formulation. On sait que l'habileté des formulations et de l'organisation des phrases peut facilement devenir des outils de domination ou de dissimulation. Et ce paradoxe trouvera encore de nombreuses manières d'être interrogé par Marker dans les films suivants. L'exemple le plus riche est assurément celui de « Sans soleil » en 1982, où la voix off de l'actrice et écrivaine, future académicienne Florence Delay, énonce ce qui est donné pour des extraits de lettres qui lui auraient été envoyés, à elle qui les lit, par un voyageur. Le régime d'énonciation se déplace plusieurs fois, du style indirect au style direct, au cours d'un film entièrement conçu sur l'interrogation des points de vue et des distances à la réalité, distance géographique, temporelle, émotionnelle et politique. Avec Level 5, Chris Marker va encore plus loin. Il ne s'agit plus cette fois d'un commentaire à proprement parler, comme c'était encore le cas dans Sans soleil. On se trouve en effet devant un texte multiple, à plusieurs voix étagées, celle du personnage féminin, Laura,
jouée par Catherine Belkodja, celle de divers témoins qui sont interrogés dans le film sur un mode documentaire, un personnage énigmatique et probablement décédé, la voix venue d'ailleurs de Chris Marker lui-même, celle de l'ordinateur ou du logiciel du jeu vidéo. La source d'énonciation de la parole a cette fois été diffractée en une multiplicité d'instances de nature différente, même hétérogène. À la même époque, c'est-à-dire dans les années 90, Marker a pris l'habitude de laisser parler à sa place le chat Guillaume en Égypte, qui répond aussi à sa place aux interviews. Guillaume vient même parfois se disputer et prendre l'avantage sur un Chris Marker qui, par ailleurs, se disperse, multiplie les pseudonymes et les avatars, dont celui de Sergei Murasaki, notamment sur le monde virtuel de Second Life, où il a construit son propre musée. On ne peut pas détailler ici toutes les procédures.